commencé vraiment par la danse. C'est vraiment, j'ai toujours dit la danse m'a sauvée. J'arrivais pas à exprimer, j'arrivais pas, et le jour où je suis rentrée dans la danse, j'ai pu enfin parler, j'ai pu donner, dire quelque chose. C'était il y a 42 ans. A été initiée par Isabelle Padovani, évidemment, qui est ma transmettrice. Et c'est avec elle, hein, c'est il y a 11 ans. Je ne sais pas, le son est venu comme ça, à un moment. Je suis tombée sur un article d'Isabelle. Je ne savais pas du tout ce qu'était Kototama, etc. J'ai appelé, il y avait un stage 15 jours après. J'ai fait le stage. Je n'ai pas compris la moitié des choses. Je savais que c'était pour moi, je savais qu'il y avait quelque chose là avec Kototama et avec Isabelle. J'avais rencontré mon enseignante, j'avais rencontré mon guide. Moi, je dirais, ça m'a permis de me sentir. Ça m'a permis de goûter complètement mon corps, d'être complètement incarné, d'être ici. Ça m'a permis de goûter l'unité. Ça a changé ma façon de danser. Et je pense que ça a surtout changé ma relation à la danse. C'est-à-dire comme je me suis remplie dans mon corps. Donc ma danse est devenue beaucoup plus pleine. Et les gens l'ont senti, les élèves l'ont senti, et ça a changé ma manière d'enseigner. Je pense que j'ai été beaucoup plus proche des gens. J'étais plus avec eux. Et ce que je transmettais était beaucoup plus direct. Et ça, les gens l'ont senti tout de suite. Ils ont dit, oh, c'est bon. Ça a changé ma relation avec l'extérieur. Ce qui fait que tout ce que je partageais venait de l'intérieur. Il y avait une plénitude. Et donc les gens me sentaient tout de suite. L'enseignement, c'est pour moi, c'est Isabelle. C'est vraiment l'enseignement qui a été transmis à partir, je dirais, de la communication non violente, d'une vision éclairée et de Kototama. Dans l'Onseido, il y a trois axes, hein, qui travaillent sur les trois cercles. L'axe de la force, le sol de la force, et c'est vraiment Kototama. Il y a le cercle de l'amour, qui est vraiment en reliance avec la communication non violente. Et vraiment le cercle de la sagesse qui est vraiment en relation avec la vision éclairée. Et c'est ces trois axes-là, l'homme Seido. Et il faut qu'il y ait un transmetteur qui soit là pour réguler chez chacun la puissance du son. On vient vraiment se rencontrer, vraiment en profondeur, par le son. Le son nous ramène vraiment au centre. On est dans l'expérience, c'est très concret. Parce que bien sûr, il y a l'enseignement, il y a ce qui est dit, mais chacun peut expérimenter lui-même avec le son. Ça passe par lui, il y a ce qui est dit, mais après, on a le son pour soi, et voilà, on expérimente. Qu'est-ce que ça me fait? Comment ça me bouge? Qu'est-ce que je vais vivre? Kototama, on dit que ce sont les sons sources, les sons qui ramènent vraiment à la conscience, à l'unité, qui ramènent à Anna, à la source originelle. Et ils sont faits vraiment pour ça. C'est ce qui va nous donner
cet espace où je peux reculer, où je peux me décoller de tout ce qui m'agite en permanence, tout le temps. Et ça va me donner ce petit espace de recul où je vais pouvoir me sentir, me goûter, sans toute cette agitation, sans tout ce que mon mental me raconte. Donc c'est très précieux pour moi. Et le son va nous polir petit à petit. On dit polir le tamas intérieur, et ce qui nous permet de nous relier vraiment à la source. Le couteau tamas travaille directement sur les ondes cérébrales. Donc, en général, on est en onde rapide, en onde bêta. Et Koto Tama nous ralentit. Donc, petit à petit, ça nous permet de pouvoir quitter l'agitation du mental. Le mental pense et nous, on est toujours en train de penser. Et à un moment, on va pouvoir avoir comme ça des petits trous. On va pouvoir commencer à voir et à pouvoir se poser. Et on passe comme ça en alpha et des fois même en theta, en delta. C'est les ondes de l'éveil. Vraiment, Kototama, c'est vraiment l'outil qui nous permet de nous retourner. On va pouvoir repartir effectivement avec des pratiques pour soi. C'est très concret, ça passe par le corps. Le corps, c'est vraiment notre maison. C'est ce qui nous permet d'être ici. Et moi, j'étais très, très en colère en plus. J'avais pas envie d'être ici. Et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus sereine, d'être vraiment dans ma maison. Concrètement, on fait des pratiques donc de sons qui peuvent être chantés, qui peuvent être murmurés, qui peuvent être en boucle. On utilise aussi le corps, on passe vraiment par la sensorialité du corps, qui est un précieux outil pour nous, en lien vraiment direct avec le son. On utilise aussi des mudras, en lien aussi avec le son. Et puis petit à petit, comme ça, on tisse ce qu'on appelle un nid sonore qui va travailler sur le plan du corps, le plan physique, sur le plan des émotions et sur le plan du mental. Ça travaille vraiment sur ces trois plans. Et puis petit à petit, toutes ces pratiques un petit peu différentes, on utilise le son, le corps, les mudras, des visualisations aussi. Ça va nous agir, ça va nous polir, ça va nous transformer. Logique, il y a un cursus si on veut. On peut venir juste le goûter au travers d'un stage, d'un cours, juste voilà pour sentir. Mais après, moi, je propose un cursus sur 3 ans et où c'est 3 stages par an. Alors dans les stages, c'est important parce qu'on est en groupe et du coup, ça amplifie le son, ce qui fait que voilà, ça nous on sent plus. Quand on se retrouve chez soi, évidemment c'est un petit peu différent, mais on a quand même sa pratique, ça va agir autrement. Mais c'est vrai que le groupe est très important parce que c'est ce qui va nous donner vraiment l'amplitude de Koto Tama. C'est surtout quand on commence. C'est ce qui va nous permettre vraiment de sentir ce qu'est le son. Ça va nous donner la dimension de ce qu'est Koto Tama. C'est vraiment par le groupe. C'est vraiment d'être tous ensemble. Il y a l'énergie de chacun se combine. Et ça fait comme une cathédrale. Et le son, là, vraiment nous transperce. Nous traverse tout notre corps, touche toutes les cellules. Vraiment un long temps qui est de 4 ans, 4-5 ans, où vraiment ça nous polie, ça nous transforme
Et c'est pour soi, vraiment pour soi. C'est les, le son est puissant, agit puissamment sur notre structure énergétique et mentale aussi. Et comme toute notre matrice intérieure s'est construite dans beaucoup de temps, c'est-à-dire tout ce qu'on est actuellement, c'est le fruit, on dirait notre conditionnement est le fruit de toute une éducation, etc. Donc c'est pareil, le son demande du temps, c'est pas quelque chose, on va avoir, oui, on va sentir des choses immédiatement, mais avant que ça nous transforme, que ça bouge nos autoroutes neuronales, ça va nous demander du temps, et ça demande du temps, c'est pas quelque chose, donc il faut ce temps-là avant de pouvoir le redonner, avant de pouvoir faire sur l'autre. Il faut tout ce temps-là pour déjà que ça nous transforme. C'est un enseignement pour moi qui a été précieux. Et donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai vraiment à cœur de le redonner, de le transmettre. Et c'est vrai qu'à partir de là, je bouge. Et j'aime ça en plus. Il y a quelque chose chez moi qui est une itinérante.